Bonjour tout le monde, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous emmener à plusieurs endroits. Aller sur le rucher d'Amay, j'ai envie de vous emmener aussi dans ma cuisine, et puis nous allons aller sur la région de Chimay. Alors surtout, ne bougez pas, installez-vous confortablement et profitez. Du côté du rucher d'Amay, nous irons voir nos abeilles avec leur nouvelle trappe à pollen et surtout voir ce qu'elles vont faire comme boulot. Vous constaterez qu'elles nous ont ramené ce trésor de protéines naturelles et végétales. En cuisine, nous allons réaliser une recette un petit peu particulière qui s'appelle la peinture à la farine ou peinture suédoise. Et pour la suite, je vous emmènerai du côté de Chimay où nous irons sur un de nos ruchers. Nous agrandirons les colonies warées qui en ont grand besoin. Vous allez voir comment je vais faire. C'est tout un programme. Allez, c'est parti! Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Tout pour permettre au vernis de sécher, parce que les abeilles, ils n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la place verte par une cellule. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Souvent. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de noir. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête ramène du pollen. On les voit notamment dans les crocs. En fait, la semaine passée, c'est pas l'agriculture. Ça fait demander tout le temps que j'ai démarré. Nos trappes à pollen sont peintes, elles sont prêtes, nous les avons installées. Je vous propose dans le reportage qui va suivre de voir ce que nous en avons fait. Le printemps s'est enfin installé au rucher. Il est temps à présent de placer les trappes à pollen. Et pour ce faire, nous allons dégager chaque ruche. En fait, moi ici, je recule la ruche de l'espace nécessaire pour pouvoir poser la nouvelle trappe. La nouvelle trappe prend ainsi la place de l'ancien plancher. Après m'être assuré que les quelques abeilles qui se sont déjà posées sur la trappe sont bien dégagées, je vais déplacer la ruche sur le nouveau support. Petit ajustement. Et voilà qui est fait. Je peux replacer le toit et passer à la ruche suivante. Voilà, je n'ai donc plus qu'à retirer l'ancien plateau. Les premières butineuses qui rentrent commencent à faire connaissance avec la nouvelle trappe. Alors ici, je fais la même opération sur la ruche suivante. Je la déplace, je place la nouvelle trappe et ensuite je replace le corps complet sans son plateau sur la trappe à pollen. J'ajuste de nouveau convenablement le corps de ruche avec le plateau.
Ensuite, je remets le toit en place et je n'ai plus qu'à retirer l'ancien plateau qui est resté devant la ruche. Voilà, les abeilles n'ont plus qu'à s'adapter. Et là, bah, ça va aller assez vite. Pendant une heure ou deux, cependant, bah, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup d'agitation. Les abeilles tournent un petit peu et essayent de retrouver. Mais voilà, déjà le lendemain, regardez, tout va beaucoup mieux. Les abeilles ont déjà pris le rythme pour rentrer à la ruche. Donc deux jours après, eh bien, c'est le moment de pouvoir enfin essayer de récolter le nouveau pollen. Je glisse donc le tiroir ajouré, le panier qui va récolter le pollen, en dessous de l'entrée. Ensuite, le système qui contient le grillage perforé qui va permettre aux abeilles de pouvoir passer en laissant tomber une partie de leur pelote. Les butineuses vont donc rentrer à la ruche et vont être confrontées pour la première fois à cette trappe. Ils vont commencer alors à essayer de trouver le mécanisme pour pouvoir passer, mais tout en perdant une partie de la charge de pollen. Et ça, bah, ça va très vite. Hein. Elles ont vite trouvé le système pour pouvoir passer à travers les trous sans encombre. Très rapidement dans la colonie, les abeilles vont s'apercevoir qu'il manque de pollen et donc à peu près 25% de la population des butineuses qui récoltaient le nectar vont devenir tout à coup des butineuses de pollen et donc elles vont pouvoir compenser le manque de pollen. Les trappes sont déjà placées depuis une heure et par curiosité, bah, j'ouvre le tiroir pour voir ce que ça donne. Et là, bah, on s'aperçoit que du travail, elles en font. Allez, on va replacer la trappe. On reviendra tout à l'heure. Et voici encore une heure plus tard, la même trappe. Là, vous voyez, il y en a déjà nettement plus. Ça promet de belles récoltes. Nous voici rentrés à la cuisine avec le pollen frais qui a été placé dans les paniers du déshydrateur. L'appareil ventile un air qui est pulsé à environ 35 degrés. En 8 à 12 heures, ce pollen sera déshydraté pour une durée de conservation d'un an. Pour le pollen congelé, c'est un an et demi. Le lendemain matin, après une nuit de séchage, j'ai coupé l'appareil il y a une heure de manière à ce que le pollen puisse reprendre une température ambiante. Chaque panier va être versé directement dans le cul de poule. Je vais vider complètement le déshydrateur. Ensuite, je placerai tout ce pollen dans des seaux hermétiques, bien sûr avec la date de récolte, de séchage, un numéro de lot et la date de péremption. Le pollen a été trié auparavant au travers d'un tamis et face à une soufflerie de manière à expulser toutes les particules étrangères au pollen. Et voici le dernier panier de la récolte d'hier. Bon, ben là, comme vous pouvez le constater, on a déjà quelques kilos malgré tout. Je suis à chaque fois en admiration devant ce trésor. C'est tellement magnifique. Bon, allez, on va arrêter de jouer avec ça et on va le mettre en seau. N'oubliez pas, si vous le commercialisez, de placer aussi sur les étiquettes l'adresse du récoltant, le point net, ainsi que la mention pollen séché. Alors aussi, j'en stocke moi toujours en pollen frais dans des bocaux que je vais placer au congélateur. Ce pollen pourra me servir pour fabriquer mes pâtes protéinées pour nourrir les abeilles plus tard. Le pollen congelé se conserve environ un an et demi après sa mise au congélateur. Vous pourrez le dissoudre dans des sirops, dans du miel, voire dans des pâtes de candy sans aucun problème. Voilà, le pollen est prêt, il est frais. Il est mis en bocal et puis placé dans le congélateur pour un an et demi. N'oubliez pas de mettre la date dessus, n'est-ce pas? Voilà. Ah, quel bonheur ce pollen! Vraiment, ces parfums enivrants et ce goût intense, c'est exceptionnel. Quand on sait en plus que c'est une source de protéines bien plus intéressante que certaines viandes les plus protéinées qui soient, alors là, ce n'est que du bonheur.
je vous emmène dans la cuisine. Alors, nous allons faire une recette un petit peu particulière. Nous n'allons pas manger ce que nous allons fabriquer, mais par contre, ça va quand même servir pour les abeilles. Allez, vous me suivez, c'est parti. Bienvenue dans ma cuisine. Je vous propose aujourd'hui de faire de la peinture suédoise, de la fabriquer. On appelle ça aussi la peinture à la farine. C'est une peinture complètement écologique qui contient des ingrédients qui ne nuisent pas à la nature, qui ne nuisent pas aux abeilles. Les ingrédients sont simples. Nous avons besoin d'eau, de farine. À cela, nous ajouterons des oxydes ou des terres, voire les deux, ainsi que du sulfate de fer. Nous terminerons ensuite avec de l'huile de lin et du savon noir. Le tout va cuire pendant un certain temps, de manière à obtenir une pâte bien épaisse. Une fois que c'est refroidi, nous avons une peinture superbe qui ne nous a pas coûté très cher, mais qui va durer dans le temps et qui va bien protéger vos ruches ainsi que toutes les boiseries, parce qu'on peut l'utiliser pour les meubles de jardin, pour les clôtures, pour les cabanes, pour les nichoirs, pour les mangeoires. Donc il y a beaucoup d'usages et je vous propose maintenant de réaliser cette recette. Nous aurons besoin d'eau. À présent, nous allons peser l'huile de lin. Qu'elle soit cuite, crue ou blanche, c'est du pareil au même. Je les ai toutes testées. Par contre, le prix est différent. Nous allons y ajouter du savon noir. Je fabrique moi-même mon savon noir aussi. C'est de la potasse ainsi que de l'huile de lin uniquement. Parfait. Afin de faire moins de vaisselle, je mets le savon noir dans l'huile de lin. Pour la suite, je vais ajouter les terres. Pour les besoins de la vidéo, j'ai fait plusieurs recettes successives. Donc, j'utilise de l'ocre, du rouge, j'utilise du bleu. Enfin, voilà, il y a plusieurs sortes. Ne vous tracassez pas, ça va changer de couleur de temps en temps. La terre en poudre ne pèse pas très lourd. On est souvent surpris de la quantité que l'on doit mettre pour arriver à un poids donné. À ce propos d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez voir la recette complète sur notre site internet dans le blog. Les quantités et proportions y sont indiquées. Attention, très important, toujours bien refermer hermétiquement vos pots de terre et d'oxyde. Ils ont tendance parfois à absorber l'humidité et à ce moment-là, vous n'aurez plus une poudre, mais ça va s'agglomérer et ça va être difficile de les travailler après. Je vais à présent ajouter le sulfate de fer. C'est ce qui va permettre à la peinture de pouvoir résister aux intempéries. Autrement, si vous n'en mettez pas, vous obtiendrez simplement une peinture d'intérieur. Alors l'oxyde de fer parfois change un petit peu le résultat, la teinte des pigments. Donc c'est un petit peu à vous d'essayer aussi de faire des erreurs, essais. Notez toujours quand vous faites une recette la formule que vous avez utilisée, en tout cas le poids des terres et des oxydes, de manière à pouvoir recréer la même peinture si vous le désirez par après. De même, avec les terres, les oxydes et l'oxyde de fer, il faut faire très attention de travailler proprement, de ne pas en mettre tout autour, parce que ça colore très fort et l'oxyde de fer pourrait même tacher le carrelage. Et à présent, il me reste à ajouter la farine. Dans ce cas-ci, j'utilise vraiment une belle farine blanche classique. Le premier prix, ça ne sert à rien d'aller mettre une super farine de qualité pour faire une peinture.
En ce qui concerne le matériel, nous aurons besoin de cuillères, de fouets, de balances, de poêlons, de petits récipients quelconques, en ingrédients le savon noir, ainsi que des oxydes, des terres. Nous aurons aussi besoin d'oxyde de fer, d'huile de lin, de l'eau et de la farine. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. Je vais pouvoir commencer la recette. Mettons chauffer la plaque de cuisson. Ajoutons l'eau. À présent, c'est au tour de la farine que je vais verser tout en la mélangeant déjà avec le fouet de manière à éviter de faire des grumeaux et de bien disperser les grains de farine dans l'eau. Donc ici, ben, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire bouillir l'eau et la farine. Nous allons faire le même principe qu'une béchamel, sauf qu'il n'y a pas de lait dedans. Vous voyez, ça commence déjà à s'épaissir. Une fois que nous arriverons à ébullition, nous pourrons ajouter les piments. Alors, une fois que je vois que ça commence à bouillir, je diminue quand même la température, parce que je ne tiens pas à ce que ça accroche. Voilà, nous sommes sur l'ébullition, vous voyez. Donc à présent, je peux ajouter les piments. Et l'oxyde de fer en même temps. Et donc nous allons bien disperser tous les pigments dans la préparation tout en gardant quand même une température d'ébullition, mais pas trop forte pour ne pas accrocher dans le fond du poêlon. D'accord, il faut un peu d'huile de coude et être habitué à manier le fouet, mais enfin bon, ce n'est pas compliqué, ce n'est jamais que 5-6 minutes à faire. Une fois qu'on a quelque chose de bien homogène, et bien c'est au tour de l'huile de lin et du savon noir à être dispersé dans notre mélange qui est déjà en ébullition. Et donc notre peinture se termine, alors ben, qu'elle soit de couleur verte ou bien encore qu'elle soit de couleur rouille ou même bleue, ben, peu importe, la qualité reste la même et par contre pour les abeilles ça fait des repérages différents. Il n'y a plus qu'à la mettre en pot. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Me voilà avec quelques litres de peinture, pas cher, très efficace, écologique. À présent, il est temps que je vous emmène sur la région de Chimay. Si vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais dit qu'il était temps d'agrandir certaines colonies qui se retrouvaient un petit peu à l'étroit, donc des éléments warés qui n'avaient hiverné que sur un seul élément. Nous allons donc les agrandir. Allez, Sirius, viens! Viens, mon grand! Il y a quatre ruches warées qui sont sur un élément dans la région de Chimay, sur le nouveau rucher. Donc je suis en train de préparer ces différents éléments. J'en ai besoin de quatre pour agrandir. Et bien sûr, prendre toutes les lattes et barrettes dont j'aurai besoin pour placer dans chaque élément. Chaque élément devra contenir 8 barrettes. Dans l'atelier, je vais préparer quelques cadres
que je vais filer parce qu'ils ne le sont pas. Alors, dans une ruche foirée, placer des cadres, ce n'est pas conforme au processus habituel. J'en place tout de même 2 à 3 à chaque fois par élément, de manière à avoir plus de mobilité et surtout me permettre de pouvoir visiter la chambre à couvain quand j'en ai besoin. Lors d'un contrôle sanitaire, par exemple, si on ne sait pas démonter la ruche, c'est très embêtant de devoir découper les cires quand l'agent sanitaire est là. Ici, je place un filet inox tout le long. Il est maintenu aux deux extrémités par un petit clou. Et donc, le fil est tendu simplement à la main. Je mets toujours un petit peu de marqueur de la couleur de l'année où les cadres vont être construits. Cette année, c'est jaune. Lorsque le fil sera tendu, je n'aurai plus qu'à placer la cire gaufrée. Je fais chauffer le fil et celui-ci s'imprimera dans la cire et sera inclus dedans. Les barrettes, quant à elles, sont faites très simplement avec la scie circulaire. Je place des bandes de cire que j'avais laissé refroidir et que je fixe avec le fer à souder. Et ça tient. Là, j'arrive à la voiture. Je vais donc charger tout ce qu'il faut. Sirius, évidemment, m'accompagne, comme d'habitude. Il prend même les devants dans la camionnette, mais là, j'ai besoin de place. Allez, mon grand. Vite. Tu fais la place aux ruches? Ouais, bah oui. Oh, mais oui. Allez, hop. Toujours assez conciliant, mais un petit peu râleur quand même. Comme son maître. Allez. Quand tu viens par ici. Allez, viens. Allez, c'est parti. Viens là. Allez, mon grand. Et c'est sous la pluie que nous allons vers Chimay. En route. Les floraisons, quant à elles, continuent de se développer. Ici, des érables. Sirius continue son sport favori, à savoir patauger dans les mares. Et en ce moment, les pruneliers sont en fleurs, ainsi que la cardamine des prés. Nous sommes donc arrivés sur un des ruchers de la région de Chimay. Alors, il fait froid aujourd'hui, il fait à peine 9 degrés. La pluie... est entre deux là, mais ce n'est pas grave, on va quand même pouvoir agrandir nos ruches, parce que ce qui se passe ici, c'est un élément waré. La colonie se trouve dans cet élément. On va venir par en dessous placer un autre élément qui est vide ou juste avec des amorces de barrettes, donc ça ne va pas perturber la chaleur ni la colonie, puisqu'elle va rester sur le dessus, et c'est seulement quand elle sera prête qu'elle pourra descendre vers l'élément qu'on a introduit qui se trouve en dessous, et donc forcément tout va se passer naturellement, elles vont construire et s'agrandir. Je vais commencer par amener mes éléments vides à côté des ruches qui doivent être agrandies. Dedans, je vais y placer les barrettes qui seront espacées avec l'épaisseur d'un de mes doigts. J'ai la chance en glissant un index entre les barrettes, j'ai justement l'écartement qu'il faut. Et je place aussi alors deux cires gaufrées par élément. Ça va me permettre
entre autres, de pouvoir avoir un pont pour les abeilles, commencer à construire plus facilement et s'étendre. Je revérifie l'écartement. Et puis maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer l'ancienne colonie. Je peux à présent déposer le nouvel élément sur le plateau. Ah, deux barrettes ont bougé. Et voilà. Et à présent, je dépose la colonie sur le nouvel élément. Je passe à la ruche suivante. Même principe, je vais déposer la colonie sur le côté. Pendant ce temps-là, je ramène le nouvel élément et puis je redépose la colonie dessus. Il reste deux colonies à agrandir, donc j'amène la suite. Exit le toit chalet qui est fort encombrant. Voilà, déplacement de la colonie. Je pose le nouvel élément. Et je redépose l'autre colonie sur le nouvel élément. Et donc ici, je place des nouveaux toits sur les ruches à la place des toits chalets qui sont quand même de grosses prises au vent. D'ailleurs, ça m'avait valu une colonie complètement ouverte, d'ailleurs une de ces deux colonies-là, pendant la tempête en février. Pour en revenir au cire gaufré que je place dans les éléments warés, en fait, je le fais pour plusieurs avantages. Si je dois ouvrir ou visiter, c'est quand même une facilité pour aller voir ce qui se passe dans le couvain. Et les abeilles investissent beaucoup plus vite le nouvel élément quand il y a deux cires gaufrées. Et d'ailleurs, ça fait un pont. Si je dois placer un élément vide entre deux éléments construits ou sur le dessus, à ce moment-là, les abeilles investissent beaucoup plus vite avant de s'étendre sur les côtés. Enfin, l'avantage que je trouve encore, c'est que quand je dois prélever des rayons avec des larves hors d'une colonie avec une reine de valeur, je les trouve. Voilà, nos quatre ruches sont enfin agrandies. Il ne reste plus qu'à attendre le démarrage du printemps maintenant pour que les colonies puissent enfin s'agrandir correctement. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, ainsi que sur notre site internet via le blog. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo fait toujours plaisir, ainsi qu'un commentaire auquel je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt. Salut! Nous allons déjà nous quitter. Aujourd'hui, j'aurais été vraiment particulièrement fier de pouvoir partager avec vous cette recette de peinture suédoise qui est une peinture écologique et très facile d'utilisation et de réalisation. J'aurais aussi été et retenu le plaisir de pouvoir vous faire découvrir le premier pollen que nous avons récolté avec ce parfum qui embaume toute la maison et cette richesse de palette de couleurs que l'on retrouve dedans. Et enfin, le plaisir de pouvoir vous montrer comment il est facile d'agrandir une ruche wild. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site internet via notre blog. À tout moment, si vous le désirez, vous pouvez revoir ce reportage. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Portez-vous bien. Je vous embrasse très fort et d'ici là, butinez bien. Qu'est-ce que c'est que tu as trouvé là, mon chou? Oh là là! Dis, je veux bien qu'il y a du gibier ici, mais quand même, hein, t'exagères là. Sirius.